Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'affiche poursuit sa série olympique, mode, sculpture et expo au programme. Rihanna a porté l'une de ses premières créations. Stéphane Hachepoul a signé les tenues des 840 athlètes français pour les Jeux de Paris. Rencontre avec un touche-à-tout de génie qui a relevé un sacré défi. Jennifer Benbrahim et Brice Agier-Grégoire. Venez, je vous invite dans mon atelier. Je m'appelle Stéphane Hachepoul, je suis né à Paris et j'ai designé les tenues pour nos athlètes français aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc voilà, ici, finalement, c'est les premiers essais qu'on a fait au tout début. Mon idée était vraiment de faire des tests dans les ateliers à Paris et de commencer à ressentir et voir comment le bleu et le rouge. Donc là, on l'a fait sur des plumes avec le plumacier Le Marié, voir comment ça réagit. J'avais très envie aussi de voir différents styles de broderie, voir comment elles fonctionnent. Et donc, après avoir travaillé les inspirations, on a commencé à monter des prototypes. Là, on voit le travail de l'équitation. Là, on a c'était les inspirations pour le skate, avec évidemment ce maillot et la gradience. La gradience, c'était une volonté de mettre une rupture sur le drapeau français et donc de faire transitionner le bleu dans le blanc et le rouge dans le blanc, créer des nouvelles teintes un peu, les métisser et finalement représenter la France d'aujourd'hui. Cette pièce que j'aime beaucoup, qui est, je pense, un des premiers protos de la tenue des médaillés. J'ai hâte de les voir porter ça. Ça, c'était une jolie journée avec le cheval en studio. Il était très sympathique. Ça, c'est Clarisse, notre plus grande championne française de judo. Multi-médaillée. Évidemment, on attend beaucoup d'elle. Moi, personnellement, j'ai toujours eu une vie qui mêlait sport et mode. Sport parce que jeune homme, je faisais du sport très tôt. Et dès que j'étais dans la rue, c'était pour aller à l'entraînement, c'était pour après d'avoir joué dehors avec les copains. Et puis à la maison, j'étais de parents d'un papa sculpteur, d'une maman danseuse et avec une communauté assez excentrique. J'avais ce contraste depuis très tôt. Ça se sent dans mon travail, un peu ce deux mondes qui s'allient. Bang bang. Alors ma première mémoire des Jeux Olympiques, c'est 92 avec la Dream Team de basket, vu que j'adorais déjà le basket. Et je pense qu'avant, j'aimais un athlète qui s'appelait Serge Boubka, qui faisait de la perche. Donc j'étais un petit peu jeune, mais je sens qu'autour de mes 6 ans, j'avais déjà vu des gens avec une médaille autour du cou. Les athlètes, je les ai rencontrés très tôt dans le process. Et la plupart d'entre eux me disaient, on veut être beau, on veut avoir l'air cool. Jeune, lumineux, élégant, etc. Donc c'était des mots qui m'ont donné et que, en avançant, j'ai traduit peu à peu dans le vêtement et en prenant des décisions. Alors j'ai plein de tenues que j'aime beaucoup. Il y en a une, je suis sensible parce que en fait, ça n'a jamais été fait en France, c'était de produire un kimono pour le judo. Voilà, ça fait partie des petites fiertés. Ça veut dire que maintenant, en France, mon fils, le vôtre, pourront, ou fille d'ailleurs, pourront acheter un kimono made in France partout en France. Je trouve ça cool. Un des messages que j'ai reçus des athlètes, c'était la voie pour arriver aux Jeux Olympiques n'est pas droite. Et on passe par beaucoup de chemins. Et donc j'ai fait un petit hommage à ça sur la tenue des médaillés où toutes les surpiqûres et les coutures sont en courbe
S'ils portent ce vêtement à ce moment-là, c'est pour leur rappeler de façon discrète que le chemin était très long et qu'ils peuvent célébrer et être fiers d'eux. On continue d'explorer les liens entre sport et culture. Direction Spot 24, un nouveau lieu au pied de la Tour Eiffel. L'exposition olympique met en valeur 6 nouvelles disciplines au programme des Jeux. Le BMX freestyle, le skateboard, l'escalade sportive, le surf, le basketball 3 contre 3 et le breaking. Les œuvres d'une douzaine d'artistes y sont exposées. Solène Claus. BMX, planches de skate ou encore murs d'escalade, des objets authentiques, usés et signés par les champions en personne. À travers eux, l'exposition Spot 24 retrace l'histoire de ces nouvelles disciplines olympiques. Elles sont 5 à avoir fait leur entrée au précédent JO à Tokyo. Et puis il y a la petite dernière, le breakdance. Le point commun sur ces différentes disciplines, on va dire, c'est l'expression libre. C'est le freestyle, c'est aussi... C'est une histoire incroyable, c'est 50 ans de hip-hop, c'est comprendre le contexte, c'est aussi découvrir des spots historiques. Voilà, c'est le lien entre art, sport, culture et à travers des œuvres faites par des artistes in situ dans l'expo. Des univers sportifs transformés en œuvres d'art, comme ce terrain de basket immortalisé par le créateur Stéphane Hachepoul. L'exposition permanente abrite certaines collections du musée olympique de Lausanne, en Suisse. L'ambition, mettre en lumière l'héritage des cultures urbaines dans l'histoire des Jeux. Quand il est peintre et breakdancer, il fait partie des artistes exposés. Je cherche à immortaliser la trace et l'énergie des gestes de break. Je trempe mes chaussures dans l'encre et j'exécute mes mouvements sur le support au sol, donc du papier ou de la toile. Je veux vraiment immortaliser l'énergie et le mouvement en temps réel, en fait. Et l'encre le permet ça parce que, voilà, comme on peut le voir, il y a des projections, donc on sent, comme ici, on peut ressentir l'impact. Ici, on ressent la vitesse. Chaque œuvre est nommée selon le mouvement utilisé pour la réaliser. L'artiste en recense une 50aine. Elles forment une sorte d'alphabet du breaking. Vraiment, tout ce travail que je fais là est venu juste d'une simple interrogation en me disant « Ah ben tiens, ça pourrait être marrant de matérialiser les traces que je laisse au sol. » Et j'ai pas vraiment la prétention de créer un langage. Après, je sais qu'il y a des danseurs et d'autres personnes qui estiment que pour eux, c'est un langage. Mais disons que je laisse le libre choix aux gens de le définir comme tel. Une autre surprise attend les visiteurs. À défaut de porter la flamme, ils peuvent admirer la torche de Paris 2024. À présent, une œuvre monumentale dont on dirait qu'elle a pris racine et fleuri à la Philharmonie de Paris, commandée pour les Jeux. Elle s'appelle Sinfolia et a été créée par l'artiste américaine Rachel Marx avec l'aide de petites mains de l'association du footballeur Kylian Mbappé. Tout le matériel utilisé pour cette sculpture est recyclé. Olivia Salazar-Winspear et Valentine Herba se sont rendus sur place. En marchant dans une forêt il y a des années, j'ai vu un arbre avec plusieurs troncs reliés. Et je me suis dit que c'était un peu comme les continents du monde, un beau symbole des continents qui se rassemblent avec des mêmes systèmes de racines. Et je me suis dit que c'est un peu comme des anneaux olympiques qui rassemblent les personnes venant de tout horizon en harmonie. On commence au tout début de l'installation avec le cercle qui représente les Amériques et les instruments à cordes parce que je suis américaine et du coup je voulais aussi mettre un petit clin d'œil à mon histoire personnelle. Rien que pour les cernes, en total, il a fallu plus qu'un million de feuilles et 15 000 heures de travail aussi. À chaque fois que je fais une installation, j'invite toujours le public de participer avec moi. C'est important parce que l'art pourrait être bien sûr un tableau au musée où on n'a pas le droit de toucher, mais ça peut aussi être un moyen de transmettre des messages très forts qui ont besoin d'être entendus aujourd'hui, comme notre relation avec la nature, notre relation avec l'autre, l'harmonie entre toutes les cultures. Nous, tous les jeunes de l'association, on a participé pour pouvoir venir aider Rachel. Collage, rassemblage de papier. En fait, on était un peu ses petites mains.
je pense que l'art et le sport, ils ont déjà quelque chose de commun. Ils véhiculent un moment de partage, de mélange aussi, de mixité, de découverte. C'est une performance à l'auteur d'un sportif professionnel, c'est sûr, avec tout l'effort et l'organisation et le dévouement qu'il faut. On ne peut pas faire grandir un arbre en un jour. Cet été, Paris devient le centre du monde. Un siècle après l'édition de 1924, ces Jeux olympiques et paralympiques sont le plus grand événement jamais organisé en France. Pour en prendre la mesure et entrer dans les coulisses de la préparation, France 2 propose la série documentaire « Au cœur des Jeux » des frères Jules et Gédéon Naudet. 5 épisodes à voir et à revoir cet été. On se quitte avec un extrait. L'info continue sur France 24. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série olympique sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. À très vite.